الحمد لله الواحد القهار العزيز الغفار المكور الليل على النهار تذكرة لعولي القلوب والأبصار ثم الصلاة والسلام على أشرف الخلق خاتم الأنبياء وإمام المتقين محمد مصطفى صلوات ربي وسلام عليه. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بالدوام ملك الله. Chers frères, chers sœurs, humbles serviteurs d'Allah, que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur nous tous. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Le mois béni d'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'on appelle le mois de Karim, en arabe veut dire al-imsak, le ramadan veut dire al-imsak. Si vous regardez, le ramadan en arabe s'écrit à 5 lettres. 5 lettres, le ra, le mim, le dod, le alf et le nun. Ça fait ramadan 5 lettres. Mais la première lettre qui est ra veut dire la miséricorde d'Allah. Ra, rahma, la miséricorde d'Allah. Et la deuxième lettre veut dire mim, mim veut dire marofira, l'expiation du péché. Ou le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le doit veut dire demande la garantie venant d'Allah subhanahu wa ta'ala pour dire qu'il t'a pardonné. Pour ceux qui jeûnent bien, correctement, bien sûr. Le alf veut dire al-i'tikad minanar, l'affranchissement du feu de l'enfer. Et le nun veut dire, après tout cela, nun veut dire an-nur, c'est-à-dire la lumière divine qui s'ajaillit sur toi, dont nous avons besoin. Donc les invocations rentrent dans ça. Quand vous regardez l'objectif même de Ramadan, on dit la'allakum tattaqun, pour que vous atteigniez la piété. Et cette piété-là, en arabe, s'écrit avec 4 lettres aussi. Le ta, le kaf, le waw et le ya. Le ta, qui est la première lettre, qui est, on peut parler, Allah soit en train de dire dans le chapitre, tubu ilallahi tawbatan nasuha. Répentez-vous vers Allah d'une repentance sincère. Dans un autre passage, Allah nous dit Toubou ilallahi ayyuhal mu'minun, répentez-vous vers Allah, ô vous qui avez porté la foi. Qui est la première lettre, taqwa. La deuxième lettre, qui est kaf, Allah subhanahu wa ta'ala dit après avoir se repenti, qu'est-ce qu'on fait? On se rapproche de Dieu. Donc Allah dit Wallahu karibun minal muhsinin, Dieu est très proche des âmes bien pures et pieux. Et la troisième lettre, après être proche d'Allah, qui est le roi, tu deviens un représentant sincère d'Allah sur notre terre. Tu deviens le calife de Dieu. Donc Allah dit, Allahu waliyyu alladhina amanu yukhrijuhum min az-zulumati ila an-nur. Non. Allah est le garant de ceux qui portent la foi, qui se sont repentis, qui se sont rapprochés d'Allah, et Allah est le garant qui les sort de l'obscurantisme, de la mécréance, vers la lumière divine. Et le Ya, pour terminer, il dit Yakin, la certitude. Donc Allah dit la certitude, ça y est, après avoir fait tout cela, la quatrième lettre te permet d'avoir la certitude que tu mérites l'agrément et la félicité éternelle d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, chers frères, chers sœurs, tout cela s'englobe sur quoi? Rentre dans quelle base? C'est les invocations. Allah nous dit, invoquez-moi et vous me trouverez en face de vous pour vous exaucer. Mais surtout, pendant ce mois béni, qui est un mois de droit, qui est un mois par excellence où Allah est très proche de ses serviteurs et que tu entends. Il entend leur invocation et leur appel. Vous voyez, pendant ce mois béni d'Allah subhanahu wa ta'ala, Allah lui dit à son prophète bien-aimé, alayka wa alayka salatu wa salam, que tous les œuvres, tous les actes de son serviteur lui appartient au serviteur, sauf le jeûne appartient à Allah subhanahu wa ta'ala et celui qui en récompense et qui connaît les degrés du mérite. Donc, chers frères, chers sœurs, le musulman doit passer tout le temps, qu'il soit sur direction, qu'il soit au bureau,
doit combler son temps dans la spiritualité. Doit combler ce temps dans la spiritualité. Parce qu'il y aura un moment où tu ne pourras rien faire. Donc profite de ta santé avant la maladie, comme l'a dit le prophète de Sallallahu Alaihi Wasallam. Profite de la vie avant la mort et profite de tes temps libres avant d'être occupé par autre chose. Donc, pour cela, on doit passer plus de temps à faire l'invocation, à invoquer Dieu, à présenter nos soucis, nos voeux à Allah subhanahu wa ta'ala. En commençant par istighfar, demander pardon à Allah et la salat sur le prophète alayhi salatu wa salam et reconnaître l'unicité absolue d'Allah qui est quel mal la ilaha illallah. Quand tu regardes dans le chronogramme du Ramadan, le Ramadan est partagé en trois décades. La première décade qui est la miséricorde d'Allah. Deuxième décade est comme on appelle l'expiation du péché, Maghfira. Et troisième décade est l'affranchissement du feu de l'enfer. Donc, les hommes spirituels partagent cela en trois parties. Faire un programme de spiritualité pour pouvoir mériter et bénéficier de ce mois béni. La première décade que nous sommes en train de finir doit être l'expiation du péché, c'est-à-dire demander pardon à l'istighfar, pour faire beaucoup d'istighfar. Et deuxième décade, faire beaucoup de salat sur le prophète, alayhi salatu wassalam. Et troisième décade, faire reconnaître l'unicité absolue d'Allah, c'est-à-dire la ilaha illallah, hasbunallah wa ni'mal wakil. Donc nous devons faire l'effort de passer tout notre temps en train d'invoquer Dieu. Dès que tu as un temps libre, que tu as un chapelet ou pas, que tu as un zikromètre ou pas, mais tu dois faire l'effort à tout moment de te rapprocher d'Allah. Parce que l'invocation du jeûneur, il n'y a pas d'intermédiaire entre ça et Allah subhanahu wa ta'ala. Et immédiatement, et tu sais, parce que le prophète te dit, alayhi salatu wassalam, qu'Allah dit que quand un musulman sincère tend sa main vers Dieu, qu'il sache que ses invocations ont été exaucées. Mais quand et comment, laisse ça à Dieu, font partie des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, tu peux demander quelque chose à Dieu, qui est licite, mais Allah souhaite qu'en t'accordant cela, tu n'y as pas ton bonheur. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il connaît ce qui est invisible. L'invisible, donc, qu'est-ce qu'il fait? Il te remplace ça par autre chose. Donc, Allah nous aide, Inch'Allah, qu'il nous guide sur le droit chemin, qu'il fasse de nous les musulmans sincères et pieux, qu'il nous permette de garder cette ferveur spirituelle que nous avons acquise pendant ce mois de Ramadan, pendant toute nos vies, parce que les compagnons accueillaient le Ramadan pendant 6 mois dans la spiritualité, et ils accompagnaient le Ramadan pendant 6 mois dans la spiritualité, dans la foi. Donc, c'est ce que nous devons faire, chers frères, chers soeurs. Donc, nous devons tous avoir une pensée pieuse pour terminer. Avoir une pensée pieuse pour des frères et soeurs, ici ou ailleurs, qui sont emprisonnés injustement. Pas parce qu'ils sont mauvais, seulement parce qu'ils ont la même conviction que toi et moi, qu'est la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Avoir une pensée pieuse pour des frères et soeurs, ici ou ailleurs, qui sont affamés, qui sont privés de leur liberté, de leurs droits alimentaires. Pas parce qu'ils sont mauvais, seulement parce qu'ils ont la même foi que toi, qu'est la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Avoir une pensée pieuse pour des soeurs, ici ou ailleurs, qui ont été violées, bafouées dans leur dignité, humiliées entre guillemets, pas parce qu'elles sont mauvaises, parce qu'elles ont la même conviction que toi, que la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Les oublier, c'est de trahir ta conscience. Et trahir ta conscience, c'est de trahir, je peux dire, l'humanité. Et trahir l'humanité, c'est de trahir la communauté. Et trahir la communauté, c'est de trahir le prophète alayhi salatu wa sallam. Et trahir le prophète, c'est d'oublier Dieu. Et oublier Dieu, Dieu dit, Ola takunukal les inanas ou afrançons. Ne soyez pas comme des gens qui ont oublié Dieu. Et Dieu les a fait oublier l'essentiel. Donc nous devons prier pour eux, qu'on les voit ou pas, qu'on les connaît ou pas, nous avons l'obligation de les soutenir en prière, de les soutenir, surtout pendant ce mois béni. Et surtout, n'oubliez pas nos voisins. Priez pour les frères qui sont dans la détresse. Priez pour des frères qui sont dans l'angoisse. Priez pour des frères qui n'ont pas de quoi à rompre les jeunes chers frères, chers soeurs. Donc, je termine pour dire, ensemble partageons nos qualités, ensemble corrigeons nos défauts. Sans cela, nous pouvons prétendre à être une communauté dont le Seigneur a cité dans le Saint-Coran. Vous êtes la meilleure communauté surgie pour l'humanité, parce que vous ordonnez le bien, vous interdisez le blâme, vous me croyez à l'unicité absolue d'Allah. Un jour de plus est un jour de moins. Un jour de plus est un jour de moins. Donc, surtout, il y a une invocation qu'on peut appeler l'hymne national du mois de Ramadan, qui est Allahumma. Seigneur, tu es le pardonneur par excellence et tu aimes le pardon. Accorde-nous de temps. Tu dois le dire à tout moment, demander la miséricorde d'Allah et pour ses frères, je sais, pour tout le monde, sans oublier
et nos frères qui sont dans les hôpitaux, nos frères qui sont malades, etc. etc. Donc, parce qu'il y a deux sortes de maladies, il y a la maladie corporelle et il y a la maladie spirituelle. Car nous accordons tous la santé, inshallah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.